Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode des Dialogues avec la rédaction du Monde, un rendez-vous qui vous permet de dialoguer avec les journalistes de la rédaction du Monde sur des sujets d'actualité, de leur poser des questions sur l'actualité, mais également sur leur façon de travailler. Aujourd'hui, nous retrouvons trois de ces journalistes du Monde pour une semaine, le début d'une semaine exceptionnelle, puisqu'on a vécu une année tristement exceptionnelle. Et on va vivre aussi une semaine un petit peu exceptionnelle à cette image-là, avec quatre consécutifs, le premier ce soir, et les autres demain, mardi, mercredi et jeudi, toujours à 18h, avec quatre sujets qui seront différents chaque soir. Donc aujourd'hui, on parlera de l'économie au moment de la pandémie. Demain, on parlera du monde de la culture en cette année de Covid-19. Mercredi, on parlera de y a-t-il une dérive autoritaire de l'État en France? Un sujet qui est complètement différent, mais qui est également au cœur de l'actualité. Et on finira cette série avec Luc Bronner, le directeur de la rédaction du Monde, qui va quitter ses fonctions à la fin de l'année, avec lequel on reviendra sur 5 années dans le poste de pilotage de la rédaction du Monde. Donc aujourd'hui, on attaque avec l'économie, avec quatre invités, trois invités, pardon. Marie Charelle, qui est rédactrice macroéconomie au service économie du Monde. Philippe Escande, qui est chroniqueur au Monde, que vous retrouvez tous les jours dans les colonnes du Monde, et Arnaud Le Parmentier, qui est notre correspondant à New York depuis maintenant 3 ans. Voilà, merci. 3 ans et demi, bonjour. Chaque jour compte. On est accompagné de Gilles Vendecotte, je suis directeur délégué aux relations avec les lecteurs, et nous sommes accompagnés de Jérôme Cheval, journaliste à la rédaction du Monde, qui va lire, sélectionner et relayer vos questions auprès de nos trois invités. Alors la règle du jeu, c'est celle-là. Vos questions, vous les posez sur le site du Monde. Vous avez un espace qui est dédié pour ces questions. Jérôme en prendra connaissance, en fera une compilation qui, tout au long de l'heure qui va venir, seront soumises à nos trois invités qui y répondront. Donc sur la question, évidemment, de l'économie sous perfusion, c'est le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Donc dans quel état est l'économie française, européenne, mondiale? Est-ce que cette perfusion peut durer longtemps? Est-ce que la question de la dette est complètement remise à plat? Est-ce que la question de l'orthodoxie budgétaire est complètement remise à plat? Enfin, autant de questions que vous allez pouvoir poser à nos invités. Donc, je vous rappelle, cette heure, elle est consacrée à vos questions. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous dès maintenant vos questions. Jérôme va les recevoir et très rapidement, on demandera à nos trois invités d'y répondre. Je voulais remercier avant d'attaquer cet échange Marianne Vachoviac, qui est aux manettes de cette émission et qui est la cheville ouvrière de ces dialogues. Et tout de suite, je vais poser une première question à Marie Charelle. Donc, Marie, la question, ces derniers temps, on a parlé de plans de relance, de plans de soutien au niveau européen, au niveau évidemment français aussi. Est-ce que ces plans ont été à la hauteur de la gravité de la situation? Oui, on peut le dire. Alors, il y a des grandes différences selon les États, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu tout. Toutes les capitales avaient en mémoire la crise de 2008, puis 2010, qui a été en 2 temps. Et là, ils ont réagi beaucoup plus vite avec deux éléments dans la réponse. Les premiers, c'était toutes les mesures d'urgence, avec notamment le chômage partiel, inspiré du mot de ce qu'a fait l'Allemagne pendant la dernière crise et qui a bien marché. Toutes les aides aux entreprises aussi, à la trésorerie, les prêts garantis, enfin voilà, pour passer le choc de la crise, hein, vraiment de la pandémie, les confinements, etc. Et le deuxième point de la réponse, c'est les plans de relance, alors soit nationaux, comme on a fait en France avec ce plan de 100 milliards qui va vraiment commencer maintenant, et au niveau européen avec le plan de 750 milliards qui est aussi exceptionnel à plusieurs titres. On pourra en reparler, je pense. Mais en tout cas, la réponse européenne a été rapide et massive. Ça, c'est incontestable. Est-ce qu'elle est à l'ampleur de la crise? On peut l'espérer. En tout cas, elle a permis de passer le premier choc du printemps et le deuxième choc dans lequel on est encore plongé. Question à Philippe Escande, alors plus sur le plan national et sur la question du chômage. On a vu que finalement les statistiques du chômage ont eu un comportement un petit peu erratique depuis le début de l'année, depuis le début de la crise. Certains mois, le chômage baissait alors qu'on attendait à ce qu'il augmente. Enfin, tout ça est difficilement lisible. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est explicable et est-ce que ça, il y a vraiment on va dire une bonne surprise de ce côté-là, ou est-ce que le gros des défaillances d'entreprise et le gros du chômage va se produire en 2021?
Oui, alors d'abord, c'est plutôt dans cette crise une bonne nouvelle que il y ait eu un chômage le plus réduit possible cette année. C'est à peu près la même chose qu'on constate sur les défaillances, les faillites d'entreprises. Il y en a eu même moins qu'en 2019 de défaillances d'entreprises. Donc c'est un peu, tout ça, c'est évidemment assez lié. Et on a réussi à relativement contenir, à l'exception évidemment des domaines où il y a des travailleurs beaucoup plus précaires. Je pense notamment à tout ce qui est hôtellerie, restauration, qui sont les premières vraies victimes de la crise. Pour les salariés, c'est vrai, comme le disait Marie, le chômage partiel a permis d'éviter un volant de chômage. Alors ensuite, sur 2021, eh ben c'est la question. Alors tous les pays sont à peu près logés à la même enseigne, que ce soit la France ou même les États-Unis. C'est qu'est-ce qui va se passer quand on va retirer la perfusion? On disait c'est l'économie sous perfusion. Eh ben qu'est-ce qui se passe quand on retire la perfusion? Si on la retire trop vite, à ce moment-là, il y a une vague, un tsunami de chômage si on assiste à des défaillances en chaîne d'entreprises qui n'ont plus suffisamment de trésorerie, qui sont trop endettées et qui ne peuvent plus tenir. Alors, le gouvernement, il en est assez conscient, évidemment, et donc, pour l'instant, c'est du pilotage un peu à vue selon est-ce qu'on va maintenir le chômage partiel, à quel niveau, parce que dans le chômage partiel, ce qui est important aussi, c'est le taux de remboursement du salaire. On est à 85% et est-ce que ça va être progressif, ce qui est probable. Et donc l'OFCE, hein, l'Office des conjonctures économiques, vendredi avait revu ses prévisions et il prévoyait 800 000 chômeurs en 2021, c'est évidemment considérable, ce qui ferait passer le taux de chômage au-delà, bien au-delà des 10%. Donc, on attend une action en 2020, enfin une contre-réaction en 2021. La seule question, c'est est-ce qu'on va arriver à piloter ça de façon à ce qu'il y ait un recoupement avec une reprise économique qu'on espère. Dès qu'il y aura suffisamment de gens vaccinés, etc. Donc, on imagine que la reprise sera assez forte et à ce moment-là, la difficulté, ce sera effectivement de piloter les aides, si c'est encore possible, de façon à ce qu'il y ait le moins de chômeurs possible. Mais en tout cas, pour l'année 2020, ça c'est plutôt, enfin, ça aurait pu être bien pire. Oui, alors les prévisions de l'OFCE, c'est 800 000 chômeurs de plus, hein, en 2021, De évidemment. plus, bien entendu, oui. Arnaud, on a vu les États-Unis et l'administration Trump débloquer des sommes extrêmement importantes pour soutenir l'économie, la même chose en Europe. Donc toute la question de l'orthodoxie budgétaire est posée. On avait ce chiffre de 3% de déficit qui était une sorte de limite infranchissable, en tout cas selon les règles de Bruxelles. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vole aujourd'hui complètement en éclats? Est-ce que cette orthodoxie-là, c'est du passé pour le monde occidental? Écoutez, Gilles, je ne serais pas surpris que je vous dise que l'orthodoxie de 3% n'a jamais existé, puisque la France, en l'espace de 20 ans, a réussi à faire passer sa dette de 60% à 100% du PIB. On va passer à 120%. Donc, en fait, cette orthodoxie n'a jamais existé. Aux États-Unis, elle n'existait pas sous Donald Trump, qui, en pleine période de surchauffe, avait quand même des déficits qui atteignaient 5% du produit intérieur brut à peu près. Là, ce qui s'est passé aux États-Unis, effectivement, c'est qu'ils ont mis de l'argent partout, massivement, au point qu'ils vont avoir un déficit budgétaire de 15% du produit intérieur brut. L'effet de tout ça, c'est qu'en fait, les États-Unis ont donné des allocations chômage énormes à tous les travailleurs américains au chômage, 2 400 dollars par mois. C'était pour la plupart beaucoup plus que ce qu'ils touchaient lorsqu'ils travaillaient. L'administration a pris en charge la masse salariale des entreprises à condition qu'elles ne licencient pas. Donc, c'était un petit peu le contraire du chômage partiel. Les entreprises, elles faisaient ce qu'elles voulaient avec leurs travailleurs, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais les salaires étaient payés. Donc, en fait, c'était une espèce de compensation générale. L'économie a été congelée pendant 3 mois et tout a été payé par l'État fédéral dans des proportions incroyables. Alors, les conséquences de tout ça, c'est quand même qu'on a
une croissance sur l'année 2021, qui, enfin, pardon, une récession en 2020 qui ne sera que de 3,5% du produit intérieur brut. La France, c'est 9, 10, je crois. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. De même, on se satisfait de l'évolution du chômage en France. Je note aux États-Unis, ça a bondi de 3,8% à 14,5% en l'espace de 6 semaines. Et on est retombé déjà à 6,9. Ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même eu une extrême réactivité de l'économie. Alors, pour l'avenir, le sujet est compliqué. Les économistes considèrent qu'on peut s'endetter tant qu'on veut, vu que les taux d'intérêt sont très bas, ils estiment que ce sera durable. La Fed maintiendra les taux d'intérêt bas tant qu'il n'y aura pas le plein emploi. Le plein emploi aux États-Unis, il faut retomber à 3,5% à peu près. Il va falloir financer les collectivités locales, les États qui sont en faillite. Donc ça, c'est l'objet de la discussion actuellement. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'aux États-Unis, cette crise, c'est une crise qui est largement surmontée, c'est-à-dire au sens, elle a permis une mutation de l'économie. On a tous les GAFA, toutes les entreprises technologiques, les Zoom, la télémédecine, qui ont explosé. Alors, effectivement, il y a les petits business qui sont par terre, les villes qui sont fracassées, les centres-villes qui sont fracassés, mais on a une vision, je trouve, moins catastrophique qu'en Europe. Très bien. Est-ce que, Jérôme, des premières questions ou est-ce que je pose encore une question à mes confrères ? Nombreuses questions des internautes. Nombreuses questions des internautes, et notamment sur le remboursement de la dette. Donc, il y a effectivement Chad qui nous demande, quid de la dette devra-t-elle être remboursée ? Et est-ce qu'elle sera reprise par la BCE ? C'est quand même des sommes astronomiques. Et puis, plus largement, il y a beaucoup de questions autour de la liaison entre le remboursement de la dette et le virage écologique qui doit être pris. Donc, est-ce que cette croissance ne viendra pas forcément se heurter aux besoins de sobriété qui exigent la transition écologique ? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe économique auquel on va être confronté ? Alors, le remboursement de la dette, qui veut répondre ? Le remboursement de la dette, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a quelque chose quand même qu'on ne comprend pas. On crée de la monnaie dans des conditions incroyables. Alors, il y a des gens qui disent « c'est pas grave, les gens la remettent sur leur compte en banque, l'utilisent pas ». L'autre solution, vous prenez cette dette, vous achetez, vous savez pas quoi en faire, vous achetez des actions et de l'immobilier. C'est ce qui fait qu'on a une envolée de Wall Street, parce que à quoi vous allez acheter, avec quoi allez-vous utiliser votre argent ? Vous achetez des actions et de l'immobilier. Combien de temps ça dure ? Ou bien sinon, vous consommez. Alors, si vous consommez, ça fait de l'inflation. Moi, je note qu'on parle plus de dette, on parle d'inflation. Toute la presse anglo-saxonne est sur le sujet. Y a-t-il un retour de l'inflation ? Il y a une espèce de volonté, de souhait généralisé que l'inflation revienne et qui permette en fait de laminer la dette, puisque les banques centrales maintiendraient très bas les taux d'intérêt. Et pendant ce temps-là, l'inflation laminerait l'immobilier, les actions, les retraites, et ça serait la solution magique dont chacun semble vouloir espérer. Philippe, est-ce que ce débat sur l'inflation, on l'entend moins peut-être de ce côté-ci de l'Atlantique ? Oui, enfin, il commence doucement. Vous savez, The Economist, vendredi dernier, a fait sa une là-dessus, sur l'inflation. Alors, c'est très, très disputé. On en parlait avec Marie il y a peu de temps. La plupart des économistes estiment qu'il y a des raisons fondamentales qui font que structurellement, l'inflation ne reviendra pas pendant beaucoup de temps. L'innovation technologique, la démographie, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui concourent à faire pression sur les prix. Alors, l'idée qui est un peu derrière et qui commence à arriver à très très bas bruit, ce serait de dire oui, mais s'il y a une reprise assez forte, comme probablement ça sera le cas aux États-Unis, ça sera peut-être le cas en Europe dans certains domaines, après cette crise, comme il y a beaucoup d'épargne, si une partie au moins de cette épargne, elle est dérivée vers la consommation, à ce moment-là, ça peut créer un début de hausse des prix dans la mesure où s'il y a beaucoup de demandes et que l'offre est encore un peu limitée, eh bien, ça va faire grimper les prix.
mais structurellement, peu de gens pour l'instant s'attendent à ce qu'il y ait un retour de l'inflation comme on a connu dans les années 70. D'ailleurs, ça serait dramatique et on n'aime pas ça du tout, évidemment, à la bourse ni dans les banques centrales. Et en général, la seule façon de combattre l'inflation, c'est justement de faire remonter les taux. Et alors là, si les taux remontent, la pandémie à côté, ce sera rien du tout parce que ça va mettre à plat l'économie. Mais il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Mais ce qui est possible, c'est qu'il y ait effectivement une petite contrainte sur les prix en sortie de crise. Marie, est-ce que tu veux compléter ou bien répondre à la deuxième partie de la question de l'internaute sur la sobriété écologique et la situation actuelle, comment on arrive à concilier les deux? Alors, je vais essayer de répondre aux deux. Un point sur la dette, ce qui est important de comprendre quand on parle de dette publique, oui, il faut la rembourser, mais ce qu'on dit dans le jargon, c'est que la dette, elle roule. C'est-à-dire qu'un État rembourse sa dette, mais il se réendette immédiatement. Et là, en ce moment, on a en face de la dette des États une banque centrale européenne qui rachète tout. Donc, en clair, aujourd'hui, le problème, c'est pas la dette. Le problème, c'est de sauver l'économie. Et on se posera la question de la dette après. Et si tout va bien, si la croissance revient et qu'on a réussi à sauver un maximum d'entreprises et d'emplois, ce ne sera pas si compliqué de résoudre le problème de la dette, surtout quand on a en face une banque centrale et qui l'a dit, elle le fera encore longtemps, elle achète. Donc, il ne faut pas s'angoisser excessivement aujourd'hui sur la dette. Ce n'est pas la question prioritaire. Sur la question de la sobriété, de la croissance et de l'écologie, ce qui est certain, c'est que, on le sait, notre planète a des ressources limitées, on a le réchauffement climatique qui est bien enclenché. Il faut qu'on change quelque chose. Alors, le débat se résume ainsi. Il y a ceux qui pensent que on ne peut pas continuer à avoir la même croissance qu'avant. Il faut entrer dans la décroissance. Il faut consommer moins. Il faut réduire notre consommation à tous. C'est très compliqué quand on a des pays qui sont encore en train de sortir de la pauvreté et qui ont besoin de la croissance pour permettre aux gens de manger, si on résume les choses. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une croissance qui est plus verte et qui permet à tout le monde de continuer à croître, continuer à manger, à augmenter son bien-être, mais en étant plus respectueux des ressources. C'est tout l'enjeu de la transition. C'est ce qu'on essaie de faire en Europe en mettant des standards de réduction des gaz à effet de serre. Voilà, c'est vraiment les deux visions qu'on a aujourd'hui. C'est est-ce qu'on peut avoir une croissance plus verte en continuant à croître? Et c'est important pour apporter du bien-être à ceux qui n'ont pas encore notre niveau de vie. Ou est-ce qu'on décroît? Et là, c'est un autre modèle. On ne l'a jamais fait, la décroissance, sauf quand on a des grosses crises et des grosses récessions, on voit ce que ça fait, la décroissance. C'est quand même assez douloureux, on ne sait pas bien gérer ça. Donc voilà, c'est un peu les questions qu'on doit se poser maintenant pour les années à venir. En Europe, on a plutôt tendance à aller vers la croissance verte. Très bien, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur lemonde.fr, sur la page d'accueil de ce dialogue avec la rédaction et que toutes les questions que vous poserez seront lues et examinées par Jérôme Cheval. Jérôme, d'autres questions qui sont arrivées? Oui, alors des questions sur l'origine de l'argent. D'un seul coup, on nous dit, mais pourquoi on a réussi à trouver autant d'argent en si peu de temps? Donc ça, c'était des questions pratiques. Sur le remboursement, Marie vient de répondre sur le fait de rouler la dette, qui est une technique macroéconomique que peu connaissent. Et puis plus largement, il y a une question de Martine qui dit, la dette est actuellement indolore puisque l'État emprunte à des taux négatifs. Mais qu'en sera-t-il en 2030 quand il faudra commencer à rembourser? Ah ben on ne sait pas. Je crois que la meilleure réponse, c'est on ne sait pas. C'est-à-dire que personne sur la planète, même les Allemands, n'ont contesté le fait que face à un choc pareil, on ne pouvait pas laisser l'économie s'effondrer. Donc, on a payé les salaires des gens partout sur la planète. Les Américains, même plus que les autres, puisqu'ils ont plus dépensé. Bon, à partir de là, on a une dette qui a explosé de 20 points. Qu'est-ce que ça fait? Franchement, personne ne le sait. Les gens disent, ça va faire comme le Japon, c'est pas grave. Peut-être. Est-ce qu'on peut dire que ça fera comme la Grèce? Peut-être. Je pense que personne ne le sait. Et alors justement, est-ce que les modèles sont tous identiques dans les pays européens où chacun agit d'une manière un peu différente en fonction de sa culture économique? Et plus largement, est-ce que vous pensez que le plan de relance, ça c'est J971 qui pose la question, est-ce que le plan de relance fait par Emmanuel Macron et son gouvernement est-il pertinent? Alors, moi, je veux bien commencer à répondre. D'abord, sur la dette, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que d'où vient cet argent?
eh bien, cet argent, il vient de la création monétaire, c'est-à-dire que la banque centrale, comme toutes les banques centrales, donc la Banque Centrale Européenne, eh bien, elle crée de la monnaie, elle achète la dette. Alors, la dette Covid, là, et tout le monde est d'accord pour une fois en Europe, donc profitons-en, eh bien, elle achète toute la dette supplémentaire, là, personne d'autre n'en veut, elle la rachète, et elle la rachète avec quoi? Eh bien, avec des euros qu'elle fabrique. Donc, elle a un bilan de plus en plus gros. Alors, cette technique, elle fonctionne très bien jusqu'au moment où, eh bien, il y a tout d'un coup plus de confiance dans la monnaie, que des gens commencent à ne plus vouloir éventuellement se positionner dessus, ou alors qu'à l'intérieur de l'Europe, certains pays plus vertueux que d'autres voient des investisseurs acheter leur monnaie et en vendre. D'autres pays beaucoup plus endettés, c'est ce qu'on a vécu en Europe au moment de la crise grecque et autres. À ce moment-là, si les intérêts de tous les Européens ne sont pas alignés, eh bien, certains pays n'arriveront plus à emprunter dans la mesure où leur taux d'intérêt vont se remettre à grimper. L'Espagne, par exemple, elle est entrée la semaine dernière dans le club des pays qui empruntent à taux négatif. Alors, c'est formidable, mais la situation, elle peut changer. Elle peut changer sur, l'emprunt espagnol comme sur l'emprunt italien ou français. Et à ce moment-là, évidemment, ça change complètement la configuration. Alors, sur le plan de relance, le problème, c'est que en France, Emmanuel Macron, il a voulu que son plan, et son gouvernement, ils ont voulu que le plan de relance, ça soit en fait un plan de modernisation. C'est pas vraiment un plan de relance, parce que, c'est un plan de relance au sens de modernisation, mais en revanche, c'est pas un plan de sauvetage. Le sauvetage, il est assuré plutôt par tous les investissements pour éviter les faillites dont on a parlé, avec notamment le chômage partiel. Un plan de relance, c'est-à-dire, je vais modifier la structure de l'économie pour que quand on sorte de cette crise, eh bien, notre pays sera plus à même d'être compétitif par rapport aux autres et donc d'avoir une économie plus prospère. Et donc, il a choisi cette relance par l'offre, c'est-à-dire, en fait, c'est un plan qui est très orienté vers les entreprises, notamment le BTP, avec tout ce qui va être fait en matière écologique pour les l'isolation, la rénovation thermique des bâtiments, mais aussi pour investir dans l'hydrogène, dans les technologies du futur, dans l'aménagement du territoire, etc. Et donc, c'est un plan qui s'appelle d'ailleurs France Relance 2030. Hein. L'objectif, c'est 2030. Alors, maintenant, ce que disent un certain nombre de gens, c'est de dire, c'est bien joli de parler de 2030, mais faut pas qu'on soit mort avant. Donc, il faut peut-être avoir une préoccupation de court terme tout de même un peu plus importante, et c'est pour ça qu'il est aussi réorienté ce plan. Et puis enfin, il prévoit plus de dépenses, notamment suppression des impôts de production pour les entreprises. Donc, c'est bien pour la compétitivité des entreprises. Elle s'en plaignait beaucoup, mais ça fait des recettes fiscales en moins pour l'État. Si on ajoute le Ségur de la santé pour la revalorisation des salaires médicaux, eh bien, tout ça, ça déforme un peu la structure du budget français. Et derrière, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est comment ça va être compensé. Alors, on peut imaginer que ça va être compensé par le fait que l'économie sera plus prospère et donc ça fera rentrer plus de recettes dans les caisses de l'État. Mais sinon, si on ne crée pas d'impôts nouveaux, ça va poser un petit problème d'équilibre budgétaire qui se posera de toute façon d'ici 1 à 2 ans. Marie, est-ce que les pays européens, les pays de l'Union européenne ont recours aux mêmes recettes, ou il y a différentes catégories de pays en fonction des réponses qu'ils apportent à cette situation ? Alors, il y a des différences. Les grands principes sont les mêmes, mais il y a des vraies différences quand on regarde dans le détail. Si on prend
l'Allemagne. Déjà, son plan de relance a commencé beaucoup plus tôt parce qu'il a commencé cet été avec un grand coup de pouce à la consommation par la baisse de la TVA. Et c'est pour ça qu'il y a des débats aujourd'hui entre les économistes qui disent, bah, regardez, les Allemands, ils ont soutenu la consommation, la demande tout de suite. Nous, notre plan de relance, il arrive tard, il soutient surtout l'offre. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les Allemands? Alors, c'est évidemment toujours difficile de trancher. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des discussions, comme l'a dit Philippe, sur est-ce qu'on doit soutenir la demande, la consommation en France, sachant qu'il y a une épargne, mais ce n'est pas forcément les gens qui épargnent que ceux qui consomment. Donc, après, c'est des débats techniques. L'autre grande différence, c'est que il y a certains pays qui ont beaucoup moins de moyens de faire des plans de relance, à savoir les pays du Sud notamment, qui ont des dettes publiques plus élevées, qui sont plus frappés par la crise parce qu'ils dépendent beaucoup plus du tourisme, donc leur économie a chuté beaucoup plus fort. Donc ces pays-là ont moins d'argent à mettre pour soutenir leur économie. C'est pour ça que ce plan de relance européen dont j'ai parlé de ces 150 milliards d'euros est important, parce que l'idée c'est de soutenir ces pays qui ont un peu moins de marge de manœuvre que l'Allemagne et que la France, et surtout que l'Allemagne, pour soutenir leurs économies. C'est un petit peu pour compenser et éviter qu'après, il y ait des trop grandes divergences entre les pays. Après, l'état d'esprit du plan de relance européen, il y a des similitudes avec celui de la France, c'est vraiment d'aider la transition de l'économie européenne en investissant plus dans les énergies vertes, etc. Là aussi, il y a des questions sur est-ce que c'est pas trop sur l'investissement et pas trop sur l'offre. Après, il y a des volets de soutien d'urgence qui ont été mis en place également au niveau européen pour aider les pays à financer le chômage structurel, le chômage partiel, pardon. Donc la question, c'est est-ce que toutes ces mesures d'urgence qu'on a mis en place, il faudrait pas les prolonger? Au moins jusqu'à ce que l'effet des plans de relance, eux, arrivent. Donc, avoir un espèce de pont sur 2021 pour entre l'urgence et la relance. Et c'est probablement ce qu'on va avoir. Merci, Jérôme. Moi, je ferais bien, excusez-moi, mais vu le mur, je ferais une petite intervention. Je trouve que vous avez tous une vision positive sur la France, donc c'est bien, c'est moi qui dois trop regarder les réseaux sociaux. Donc Marie vous compare la France aux pays du Sud qui ont moins de marge de manœuvre, mais quand même, la France, c'est un des pays qui va avoir la plus grande récession pour 2020, environ 10%, c'est quand même beaucoup plus que l'Allemagne, 3 points de plus, 4 points de plus, 3 fois les États-Unis. La France, c'était un pays qui vivait de quoi? De l'aéronautique, du tourisme, de la pharmacie, de l'automobile, tout ça s'effondre. Alors, il reste le luxe qui va repartir un petit peu grâce aux autres. On n'a même pas été capable d'avoir un vaccin. Donc, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans le débat français, c'est que n'est absolument pas abordé c'est quoi notre intérêt, notre objectif stratégique. En quoi on est fort, en quoi on se développe, en quoi on peut rattraper. Donc, on répète, ça c'est un jugement personnel, transition écologique, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous rapporte? La transition écologique aux États-Unis, paradoxalement, quand ils vont revenir dans l'accord de Paris, c'est ce que va faire Joe Biden immédiatement, ils sont bien armés. Ils ont Tesla qui vaut exactement 50 fois Renault. Donc, ils sont à fond là-dessus. Moi, je voudrais savoir quels sont les intérêts stratégiques français pour les 10 années à venir, qui ne soient pas simplement dire la transition écologique, sachant qu'on produit 3 fois moins de gaz à effet de serre que les Américains, et, ou plutôt 4 fois moins par personne et 2 fois moins que les Allemands. Excusez-moi de cette provocation. Tu as une réponse, peut-être? Non, mais tu as raison, Arnaud. Alors, c'est pas pour faire être pro-français, mais le plan de relance français, qui est peut-être jugé insuffisant et tout ce qu'on veut, son idée, c'est de répondre précisément à ce sujet-là, c'est-à-dire de modifier la structure, ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire la capacité en temps normal à générer plus de richesses. Et donc, derrière ça, il y a quand même l'idée de favoriser l'offre, d'améliorer la compétitivité donc sur le plan fiscal, et puis ensuite effectivement sur le plan de la grande déformation on n'a pas de chance avec cette crise, parce qu'effectivement les pays du Sud qui sont très orientés vers l'économie de service, c'est eux qui en pâtissent. Alors l'économie de service en général, elle est beaucoup plus résiliente aux crises que l'industrie, mais
Quand c'est une pandémie, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'industrie réagit plus facilement que les services, et surtout si les services sont concentrés dans l'hôtellerie-restauration, le tourisme, etc., ce qui est le cas d'une bonne partie de la France, mais encore plus de l'Italie, de l'Espagne ou autre. Et dans ce plan qui a été de relance qui a été présenté, c'est pas pour le défendre, mais il y a cette idée d'investir sur ce qu'on appelle les programmes d'investissement d'avenir, c'est-à-dire effectivement le développement d'un plan hydrogène qui est assez similaire à ce que font les Allemands, d'avoir tout un travail sur la batterie, la rénovation énergétique. Alors sous des dehors très verts, c'est un peu old school parce que en fait c'est une aide au bâtiment, hein. Et puis le bâtiment, bah c'est quand même plus d'un ou deux millions d'emplois, hein. Donc ça va être assez massif. Et puis ensuite une aide sur la recherche et sur des programmes spécifiques. Alors il y a peut-être un élément qui manque, mais qui manque aussi dans certains autres pays, mais qui est particulièrement crucial en France. Moi, je trouve que c'est pas ces sujets-là, c'est le sujet de l'éducation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une faille considérable et qui a été encore accentuée, soulignée l'autre jour quand on a les résultats scolaires des jeunes Français en mathématiques. Il y a un énorme sujet sur la réforme de l'éducation et sur l'université et la recherche aussi. Et ce sont ces domaines-là qui seront probablement les domaines porteurs d'avenir et où, pour l'instant, on peut pas dire que la réponse soit vraiment totalement à la hauteur de l'enjeu. Merci Philippe. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur lemonde.fr. On est à peu près à mi-chemin de cette émission, donc on a encore pas mal de questions auxquelles on va pouvoir répondre. Je crois qu'il y en a beaucoup, Jérôme, mais je crois qu'il y en a une qui s'adresse plus spécialement à Arnaud. Oui, justement, sur la stratégie différente des pays, il y a Corto Maltese, ça ne s'invente pas comme pseudo, qui nous demande: est-ce que le système de protection sociale français ainsi que les aides attribuées aux entreprises suite au Covid ne risquent pas de maintenir en vie artificielle des entreprises dépassées, à la différence de la stratégie de destruction créatrice que l'on met en place aux États-Unis? Ah, mais ce n'est pas ça du tout aux États-Unis. Excusez-moi, aux États-Unis, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a eu une révolution pendant cette crise. Ils ont été plus sociaux que sociaux, je vous dis, avec des allocations chômage qui, en moyenne, doublaient le salaire des gens pendant 3 mois. Et ils ont, la Fed notamment, a racheté la dette émise par toutes les entreprises qui auraient dû faire faillite, par exemple les croisières Costa, qui sont en fait une énorme entreprise américaine. Ils ont acheté toute la dette dont ils avaient besoin pour tenir pendant des mois et des mois. Donc, en réalité, aux États-Unis, on n'est pas du tout, pour le moment, on n'a pas été dans la destruction créative. On a dit on maintient tout. Ce qui se passe, en revanche, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait une mutation extraordinaire pendant tous ces mois pour faire la bascule numérique généralisée. Donc, j'en ai déjà parlé, hein. Naturellement, il y a les GAFA, mais il y a Zoom, il y a la télémédecine. Il y a eu une accélération de mutation qui a ses défauts, hein, mais la destruction créatrice, ça n'a pas été cette année. Est-ce qu'en Europe, on voit aussi cette mutation s'opérer, Philippe ou Marie? Ou est-ce qu'on voit des entreprises zombies qui profitent de la situation pour se maintenir à flot? Alors, on voit aussi cette mutation, c'est peut-être moins évident qu'aux États-Unis, mais clairement, il y a énormément d'entreprises qui ont basculé dans le télétravail, qui se sont mis à utiliser les outils distanciels, ce qu'elles ne faisaient pas du tout avant. Il y a beaucoup de commerçants qui ont développé des outils de paiement sans contact, de paiement à distance, de click and collect, click et cueillette en bon français. Donc, il y a aussi cette mutation. Alors, peut-être que c'est moins rapide, mais c'est difficile à dire, on verra certainement après. En tout cas, il y a aussi un pan de l'économie qui bascule, c'est très clair. Sur les entreprises zombies, il y a ce débat aujourd'hui qui est de: est-ce que quand on sauve des entreprises en leur donnant des prêts garantis, des aides aux trésoreries, etc., est-ce qu'on ne va pas sauver des entreprises qui ne sont pas viables? C'est-à-dire qui devraient mourir, pas du tout à cause de la crise, mais parce qu'elles sont sur des créneaux qui sont... Elles sont pas à la page, pour une raison ou une autre. Alors, il y a certains économistes qui disent, mais c'est une catastrophe, on va sauver ces zombies qui vont après empêcher que les personnes qui sont dans ces entreprises aillent vers d'autres secteurs, que l'argent investi dans ces entreprises soit investi dans des entreprises plus modernes. Il y a d'autres qui disent, cette histoire-là, c'est un peu comme la dette. Pour l'instant, on sauve les entreprises, on ne sait pas
quelles sont les entreprises viables ou pas. On n'a pas les outils pour le voir. De toute façon, ce serait trop compliqué de le voir. Il vaut mieux sauver tout le monde et puis après, on verra. Plutôt que pinailler aujourd'hui, on va être plus sélectif et puis on risque de se tromper, de pas sauver les bonnes entreprises, de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, le débat, la plupart des économistes disent aujourd'hui, c'est pas la question les entreprises zombies. On verra après. Pour l'instant, l'urgence, c'est de sauver les entreprises qui ont besoin d'être sauvées. Il y en a beaucoup qui sont viables. On ne sait pas quels seront les secteurs d'avenir de demain, parce que par définition, on ne sait jamais totalement prédire quels seront les secteurs d'avenir. Là, on parle du numérique, etc., mais c'est parfois un petit peu flou. C'est quoi le numérique exactement? Dans quelle mesure on sera tous encore en télétravail ou pas demain? Donc, ces questions-là des zombies, on se les posera après la crise. Et puis, si on doit sauver des entreprises qui ne sont pas viables, c'est peut-être un coût qu'il faut être prêt à accepter. Moi, je voulais juste abonder dans ce que dit Marie sur cette histoire de destruction créatrice. La destruction créatrice, ça marche si en période normale, il y a des entreprises qui sont plus performantes que d'autres et donc qui prennent le pas, et les moins performantes, eh bien, il faut les laisser les laisser tomber et en gérant la situation sociale au mieux. Ça, c'est la théorie de la destruction créatrice. Pas du tout le cas dans une pandémie. Ça n'a rien à voir, parce que dans une pandémie, où les États gèlent totalement l'économie, et donc artificiellement, ils font gonfler effectivement des secteurs comme le numérique, notamment, donc tout ce qui est en distanciel. Mais ça ne veut pas dire que ces entreprises sont plus performantes que les autres. Donc, vous voyez, on peut être très performant dans le tourisme, et puis si tout est gelé, eh bien, on peut faire faillite. Et ça s'appelle une destruction de capital net. Et donc, toute l'idée, justement, c'est de dire, on aide là tout le monde, parce que tout le monde est sur le même point de départ. Ce n'est pas du tout une crise qui va faire émerger des bons et des moins bons parce que certains seraient plus performants que d'autres. Non, là, c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas pour l'instant. Et donc, la question des zombies, c'est après. Effectivement, quand l'économie redémarre et à ce moment-là qu'on enlève les aides, c'est là qu'on verra un petit peu ceux qui sont moins bien habillés que d'autres, comme disait Warren Buffett. C'est-à-dire qu'on verra, mais pour l'instant, on n'est pas dans un épisode de type destruction créatrice classique comme ça avait été théorisé. Très bien, merci. On retourne voir Jérôme. Oui, alors une question de Charlie sur les pistes pour financer le budget de relance européen. Est-ce qu'on va enfin taxer les transactions financières ou les GAFA? Il faut rappeler quand même que Amazon, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires pour le seul troisième trimestre 2020. 81 milliards versus 100 milliards du plan de relance sur 2 ans d'Emmanuel Macron. Alors, la taxation des transactions financières, hein, une vieille histoire qui revient à l'ordre du jour. Depuis des GAFA, mais alors les GAFA, je voudrais ne pas décevoir les gens. D'abord, au sein des GAFA, c'est l'OCDE qui doit trouver une solution. L'OCDE propose 2 choses, la taxation des GAFA, des entreprises numériques, plus la taxation des entreprises qui vendent des produits de grande consommation auprès des consommateurs dans des lieux précis. En réalité, ça s'appelle une taxe qui va taxer les sacs Vuitton LVMH aux États-Unis et en Chine et les voitures Mercedes vendues d'Allemagne aux États-Unis. Donc en fait, on est passé d'un projet qui est de taxer les entreprises américaines du numérique à un projet qui risque de taxer toutes les multinationales qui ont des ventes pas là où elles produisent. Donc, c'est pas si avantageux que ça pour les Français. Deuxièmement, les Américains n'en veulent pas. Je rappelle quand la taxe GAFA est arrivée au début, c'était l'administration Obama. Elle a tout fait pour s'y opposer et continuer. Joe Biden, lui, veut taxer les profits. Il y a une réforme de Donald Trump qui fait que les profits des entreprises américaines à l'étranger sont taxés désormais à 10%. Joe Biden veut doubler cette taxation et avoir une taxation à 21%. Donc, les profits réalisés en Irlande, en Allemagne, en France par Apple, Amazon seraient taxés à 21%. Donc, aux États-Unis. Donc, je ne sais pas ce qui reste pour les Européens. Donc, je pense que ça va être une histoire très, 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 très compliquée
Je pense que l'administration démocrate va soutenir les GAFA parce qu'il va soutenir Silicon Valley. Les Allemands ne nous soutiennent pas dans ce plan parce que d'abord, ils ont SAP et qu'en plus, ils ont leurs exportations. Donc, je ne vois pas que ce soit la panacée. Et comparer un chiffre d'affaires et un plan de relance, ça n'a pas de sens. Le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est comme le chiffre d'affaires de Carrefour. On ne taxe pas les gens sur leur chiffre d'affaires, surtout quand c'est du commerce. Alors, surtout qu'il faut, préciser, il faut préciser sur les... Sur les GAFA, c'est d'abord, ce n'est pas vrai qu'ils ne payent pas d'impôts. Apple paye 26%, Google la même chose. Le seul problème, c'est qu'ils les payent aux États-Unis. Et donc, la difficulté, en fait, c'est que ce sont des entreprises qui payent des impôts, mais qui payent des impôts chez elles et très peu à l'étranger parce que, au prétexte qu'elles n'ont pas d'activité importante avec beaucoup de personnel, évidemment, puisque ce sont des entreprises où tout est dématérialisé et peut se faire effectivement à distance. Donc la difficulté, c'est le lieu d'imposition plus que le niveau d'imposition qui est en jeu là. Et puis en ce qui concerne Amazon, ils font effectivement un chiffre d'affaires absolument colossal. Il faut quand même préciser que c'est une entreprise qui a un profit qui est extrêmement faible. D'ailleurs, c'est Amazon, c'est en soi une bulle boursière, c'est-à-dire que son multiple de profit par rapport à son cours de bourse est pour l'instant totalement aberrant si on le compare à Apple ou Google. C'est une entreprise qui pour l'instant gagne assez peu d'argent et donc aussi paye peu d'impôts parce que ses profits sont relativement limités. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que Jeff Bezos a toujours dit moi ça m'intéresse pas de faire des profits, ce qui m'intéresse c'est de réinvestir pour conquérir encore plus de clients et c'est ce qu'il fait assez bien. Donc, gros chiffre d'affaires et petit profit. Marie, peut-être qu'on peut revenir à la question qui était posée au départ, c'est-à-dire comment l'Europe va-t-elle financer ce plan de relance ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à elle ? Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes, plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce plan de relance. C'est que déjà, pour la première fois à cette échelle en tout cas, les Européens vont emprunter ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce plan qui sera financée par la dette. L'idée, c'est puisque en ce moment, la BCE rachète une grande partie des dettes, que les taux sont très bas, qu'il y a de la demande, eh ben, empruntons ensemble. Donc, il y aura une partie qui sera empruntée ensemble. C'est un acte de solidarité assez fort. Et le reste, ça sera financé par des ressources propres, c'est-à-dire par des impôts qui seront prélevés par l'Union européenne, ou des taxes. Alors, on est encore en train de discuter, mais une des pistes, ce serait des taxes sur les déchets plastiques ou, par exemple, une taxe carbone aux frontières. Et l'idée, c'est d'utiliser ces nouvelles ressources pour aussi servir à nos objectifs qui sont d'aller vers une économie verte. Donc, une taxe carbone aux frontières, par exemple, ça peut être une des façons de financer cet emprunt. Et juste un mot sur ce plan de relance des 750 milliards. Donc, non seulement il y a une partie qui sera empruntée en commun, mais il y a une partie qui sera des subventions aux États, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à rembourser. Et ça aussi, c'est un acte de solidarité assez fort. Donc, on peut dire que symboliquement, là, quand même, l'Union européenne fait vraiment des choses. C'est une vraie avancée dans sa construction. Alors maintenant, il faut mettre en œuvre ce plan et le diable se cache toujours dans les détails. Mais en tout cas, c'est important de le noter. L'Europe avance aussi dans les crises. Très bien. Retour à Cognac-Jay où Jérôme nous attend. Absolument. Mais justement, Cognac-Jay, il y a beaucoup de questions sur les risques d'inflation qui ont été abordés un peu par Arnaud et par Philippe. Et puis, il y a Emma qui nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire d'emprunter à des taux négatifs ? Un peu de pédagogie. Personne. Alors, Philippe va nous expliquer parce que moi, je vais concéder que… Négatif, c'est simple. On te paye quand tu empruntes. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que tu empruntes 100 000 et tu rembourses 98 000, par exemple, c'est ça ? Par exemple, oui. Mais parce que tu estimes qu'il faut quand même mettre ton argent de côté parce que aussi, les banques ne peuvent pas garder tout cet argent sur leur dépôt. Enfin, Marie connaît ça encore mieux que moi, mais il y a une forme de sécurité. Et puis après, c'est un taux directeur. Ensuite, il y a des taux en fonction des maturités de dette à 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui eux, sur le principe en général que plus on emprunte à court terme, moins c'est cher. Et puis quand le taux est évidemment plus élevé quand c'est du court terme, quand c'est du long terme. Je tiens quand même à noter, excusez-moi,
on l'explique, expose, mais on est quand même dans une aberration fondamentale sur le capitalisme. Peut-être qu'il faut changer de système, mais si durablement celui qui emprunte reçoit plus d'argent à la fin qu'au début, il y a quelque chose qui cloche. C'est totalement inverse au principe de la prise de risque. Donc, c'est un système qui, à mon avis, vaut pour le moment, que les Américains n'ont pas voulu faire. Hein, je note que les taux, la Fed refuse de faire des taux négatifs parce que ça s'appelle en fait de subventionner l'économie et ça, elle n'en a pas le droit. Et elle ne le veut pas. Les Européens font des expérimentations qui défient toute orthodoxie. Je ne sais pas comment ça finit. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Hein, c'est pareil, mais il y aura peut-être un moment où on se dira « Ah, mais naturellement, on savait que c'était absurde ». C'est-à-dire que là, on explique pourquoi, dans cette situation, il est nécessaire d'avoir des taux négatifs. Mais peut-être qu'un jour, on se retournera, je ne sais pas comment, en disant « Mais comment a-t-on pu faire des choses pareilles ?» Et ce que je note, c'est sur l'argent, c'est que l'argent, ça n'existe pas. Par définition, soit vous avez des dollars, soit vous avez des dollars placés en bons du trésor, ou vous avez des bons placés en euros, en euros de bons du trésor allemand. Les billets, c'est infime. Donc, les gens sont coincés. Si on les rémunère à un taux négatif de 1%, sauf si vous êtes un particulier, vous avez vos billets, votre petit compte en banque, votre compte courant. Mais les gens n'ont pas le choix, ils sont piégés. Mais Philippe, dis-nous précisément, si moi j'emprunte un taux négatif, est-ce que ça veut dire que tous les ans… Oui, non, mais toi, tu ne vas pas emprunter un taux négatif. Hein, c'est, un État. Ça veut dire que tous les ans, il va recevoir des intérêts au lieu d'en payer? Non, en fait, je parle sous le contrôle de Marie, parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais, laisse Marie répondre. On est quand même dans un circuit fermé, c'est-à-dire que on émet de la dette qui est rachetée par la BCE, reverse une partie aux banques des pays. Donc, c'est, tout ça, ça ne sort pas finalement de ce cercle-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible si on est dans un marché ouvert de la dette. Hein. Et si le Japon, par exemple, arrive à faire ça depuis assez longtemps, c'est pas une invention européenne, c'est que le circuit financier au Japon il est totalement fermé. C'est-à-dire que les épargnants… Il n'y a pas d'intervenant extérieur, donc les épargnants apportent leur argent qui est recyclé avec de la création monétaire et tout ça, ça roule. Bon, à la fin, ça finit effectivement par ruiner les épargnants, ça c'est sûr. Personne n'a dit que c'était un bon système ni que c'était pas aberrant. C'est effectivement totalement aberrant, mais c'est bon. Au départ, quand même, cette idée de noyer sous des liquidités, alors pas avec des taux négatifs, mais cette idée de noyer sous des liquidités l'économie, c'est quand même une invention américaine après la crise de 2008. Hein, et c'est ça, d'ailleurs, qui les a fait repartir, alors que les Européens étaient sur un système plus d'austérité qui a plombé la reprise européenne pendant très longtemps. Mais Marie, alors, est-ce que c'est une perversion du système capitaliste, comme le laisse entendre Arnaud ? En appelant à changer de système, d'ailleurs, au passage. Bah, c'est vrai que ça donne des situations un peu étranges. Et de toute façon, on est dans une situation étrange sur les taux d'intérêt depuis avant la crise, en fait, parce qu'ils ne cessent de baisser. Et ce n'est pas que du fait des banques centrales. Hein, c'est qu'on a une économie où la croissance est de plus en plus faible, les taux sont de plus en plus faibles. Ça donne des situations assez étranges, assez inédites. Et on peut dire ça aussi sur l'inflation. Je crois que c'est une question qui intéressait les gens. Aujourd'hui, on a une inflation très faible. L'inflation, ça vient de quoi ? Ça vient beaucoup des prix de l'énergie. Ça vient des prix des matières premières. Quand il n'y a pas assez de matières premières, il y a une forte demande, donc ça fait grimper les prix. Et ça vient aussi de la monnaie. Longtemps, on a dit quand il y a beaucoup de monnaie, ça crée de l'inflation. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques décennies déjà ? Il y a beaucoup de monnaie en circulation. Ça ne crée plus d'inflation sur les produits. Ça crée de l'inflation sur l'immobilier, sur les prix de l'immobilier, sur les prix des actions. Ça ne crée plus de l'inflation comme autrefois quand les banques centrales faisaient tourner la planche à billets, comme on dit, et c'était vraiment visible. Donc, il y a aussi des choses assez étranges. On dit l'inflation, là, elle n'est plus sur les produits dans les supermarchés, elle est sur l'immobilier, sur les actions. Mais est-ce qu'un jour, elle ne va pas revenir? On ne sait pas trop. Donc, je crois aussi qu'il faudrait rester modeste
sur ces taux négatifs, sur tous ces phénomènes monétaires où on a cette monnaie qui est créée, mais qui est de la monnaie qui est dans le système monétaire, donc c'est pas de l'argent au sens qui peut être dépensé directement par les consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'énigmes et beaucoup de choses que les économistes eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord sur les explications, sur la disparition de l'inflation. Comme je disais, c'est mécanique. Il y a aussi beaucoup d'économistes qui se disent, mais c'est parce qu'il y a tellement de pays qui produisent à bas coût que c'est impossible aujourd'hui d'avoir de l'inflation sur des produits industriels, parce qu'il y aura toujours… Oui, peut-être, mais sauf qu'on a vu pendant la pandémie qu'il pouvait y avoir des ruptures d'approvisionnement, que tout à coup, on pouvait manquer de certains produits. Donc, est-ce que l'inflation ne peut pas revenir par où on ne l'attend pas? Donc, voilà, tout ça pour dire qu'en économie, il y a souvent beaucoup de choses qu'on maîtrise pas bien, et puis il y a parfois des surprises, des phénomènes qu'on pense sont qui n'arriveront plus jamais, comme des ruptures d'approvisionnement, et puis on voit qu'une pandémie arrive, et ben si, des ruptures d'approvisionnement, même quand il y a des pays qui produisent beaucoup à bas coût, ça peut arriver. Très bien, donc il faut savoir rester humble. Jérôme, on retourne vers toi pour d'autres questions. Oui, il y a Thierry qui pose une question très concrète sur la durée d'emprunt en moyenne, et plus largement, est-ce qu'il y a des stratégies d'innovation économique qui émergent face à cette crise? Vas-y, Marie. Sur la durée d'emprunt des États, en fait, c'est la moyenne de toutes les durées des dettes auxquelles ils empruntent. Parce qu'ils empruntent à la fois à très court terme, quelques heures, quelques jours. Il y a des dettes qui sont sur 5 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Et plus, en ce moment, ils essayent d'endetter sur plus long terme pour être, avoir un peu de pêche. En France, de mémoire, c'est environ 7 ans. La moyenne, ça peut être un petit peu augmenté, mais en tout cas, c'est à peu près ces durées-là. Et puis, il y a parfois des dettes qui sont émises sur 50 ans, sur 100 ans pour voir ce que ça donne. Et parfois, il y a de la demande. Et la deuxième partie, c'était sur les innovations, c'est ça? Oui, l'ingénierie financière. Oui, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a des pistes d'innovation? Est-ce qu'il y a des gens à l'étranger qui ont des suggestions un peu iconoclastes pour sortir de la crise? Alors aux États-Unis, excusez-moi, il y a eu la Fed a quand même un petit peu changé sa technique. Elle se prépare à acheter du papier beaucoup plus long aux entreprises. Hein. Donc avant, elle achetait du papier à court terme pour les financer à court terme. Plus le temps passe, plus elle achète à long terme. Donc elle devient une de facto, de manière indirecte, financeur à long terme de l'économie, ce qui normalement n'est pas tout à fait son rôle. Et en plus, elle a acheté du papier, de la dette, pardon, d'entreprises de plus mauvaise qualité. Elle a acheté des entreprises qui étaient classées junk bonds, donc justement qui auraient dû être zombies, parce qu'elle s'est dit c'est pas le moment d'embêter les entreprises pas zombies. Et l'innovation, c'est qui a été portée par les théoriciens de la nouvelle politique monétaire, c'était les gens de Bernie Sanders, qui est de dire la dette, on s'en fiche complètement. C'est quand même ça, la grande innovation, ça c'est vrai, hein, il faut le reconnaître. Alors, maintenant, même Blanchard, qui a quand même une très grosse influence aux États-Unis, ne cesse de dire, finalement, on peut s'endetter, il le disait même avant la crise, parce que les taux d'intérêt sont durablement bas. Lui, il est complètement contre la crise et le concept allemand. Je me rappelle, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de la doctrine allemande? Il m'a répondu, il n'y a pas de doctrine allemande, il y a des préjugés allemands. Rappelle-nous qui est Blanchard. Olivier Blanchard, pardon, c'est l'ancien directeur général du FMI, qui est un Français, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, qui est un spécialiste de la macroéconomie, qui est un peu néo-keynésien. C'est quand même quelqu'un de très, très, très respecté aux États-Unis, qui a pignon sur rue et qui conseille aussi le gouvernement français. Et il avait dit, alors qu'il était l'adjoint de Dominique Strauss-Kahn au FMI, qu'il fallait faire de la relance, et il a critiqué en disant qu'ils ont fait une erreur en arrêtant trop tôt les déficits budgétaires au virage lors de la grande crise financière de 2008. Il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, en fait. Il est quasi américain désormais, hein, et il est un des penseurs importants. Est-ce qu'on a vu d'autres innovations côté européen? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'idées dans les innovations. Bah, la Banque centrale a beaucoup innové pendant la précédente crise et remet à jour ses outils un peu techniques pour continuer à financer l'économie. Mais si on prend un peu de recul historique, ce qui est intéressant, c'est que souvent pendant les crises,
Il y a des innovations, notamment en matière fiscale. Quand il faut se financer, c'est souvent là qu'on invente des nouveaux impôts. Si on relie les fonctions un peu historiques, c'est pendant, après la Première Guerre mondiale qu'on a mis en place des impôts plus progressifs pour aider les États à se refinancer. Donc, on peut imaginer qu'il y a des choses nouvelles qui sortent de cette crise positive, peut-être dans la fiscalité écologique, une fiscalité qui aiderait à financer la transition écologique tout en permettant une redistribution derrière pour qu'il n'y ait pas de perdants. Voilà, je pense que là aussi, il y a certainement des choses un peu nouvelles qui vont sortir de cette crise et positives. Ah, Philippe, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, puis d'une certaine façon, l'emprunt commun européen, c'est une forme d'innovation financière, parce que ça ne s'était pas produit, enfin en tout cas à une telle ampleur, ça s'était jamais produit. Après, pour rebondir sur cette histoire d'inflation, parce que finalement, c'est parce que l'inflation a durablement disparu qu'on peut maintenir des politiques comme ça où on peut s'endetter quasiment gratuitement. Et les moteurs de ça, on parlait évidemment de la démographie qui fait que les gens consomment moins, mais il y en a deux très importants. Le premier, c'est la mondialisation, c'est-à-dire que les entreprises peuvent toujours aller chercher des coûts de main-d'œuvre plus bas, et donc il n'y a pas de pression sur les salaires, parce que je rappelle que la pression sur les salaires, c'est évidemment le point de départ de l'inflation qui fait monter les prix, etc. Donc c'est cette mondialisation qui pourtant, pour l'instant, n'a toujours pas de limites. Et puis l'autre élément, c'est la révolution numérique. On n'en parle pas suffisamment, mais le numérique, c'est une machine déflationniste, c'est-à-dire que ça permet de faire des choses pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que Amazon, par exemple, ça permet de faire des achats avec des coûts qui sont bien inférieurs. Et c'est le cas d'à peu près toutes les techniques numériques. Si j'achète mon billet de train sur Internet, évidemment, ça coûtera moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'un guichetier, d'avoir même des guichets, on les a supprimés partout, etc. Et cette pression-là, elle est extrêmement forte, elle est un peu à bas bruit, donc on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment une machine à déflation extraordinaire. Alors, il est 7h moins 5, donc on va prendre une dernière question, Jérôme. Je crois qu'il y en a une qui concerne nos voisins britanniques. Tout à fait, puisqu'on est à quelques heures du no deal entre l'Angleterre et l'Union européenne. Et il y a Sivo qui demande si Boris Johnson ne souhaite pas créer un paradis fiscal en Angleterre de manière à contrer les effets de la crise. C'est une des inquiétudes qu'on peut avoir, mais ce qui est sûr, c'est que, imaginons qu'il crée un paradis fiscal. Ça veut dire qu'il y a quand même un trou dans les recettes fiscales du pays. Or, on a quand même besoin de lever l'impôt pour pouvoir payer les allocations chômage, la santé, tout ce qu'il y a derrière. Donc, là aussi, je me réfère à ce qu'écrivent un peu les économistes sur le sujet, c'est que c'est facile de créer un paradis fiscal quand on est un petit pays. Un petit confetti, sans citer d'exemples particuliers. Mais quand on a un grand pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, ça paraît un petit peu plus compliqué de tenir un modèle comme ça. Et je suis dans le noir. Oui, ça m'est arrivé aussi. C'était bientôt l'heure de rendre l'antenne, je pense. Parler du numérique, ça. Il faut pas se tromper quand même. La fortune de la City, c'est parce que Londres était la place offshore de la zone euro. Donc, bien sûr, les Anglais ont une place financière extraordinaire, mais normalement, ils en prennent un coup. S'il y a un paradis fiscal, les Européens ont des mesures de rétorsion assez fortes. Il ne faut pas se rappeler aussi que l'Angleterre, en dépit de ce qui était dit, est un pays industriel. Je crois que l'industrie n'est pas très loin de celle qu'est la France en masse, qui sous-traitait beaucoup dans la voiture, etc. Donc, en fait, être une île complètement, c'est un petit peu difficile. Et comme dit Marie, il faut bien se financer à un moment. Donc, si les Britanniques n'arrivent pas à se financer, parce qu'ils ne lèvent pas d'impôts, ils auront un peu de mal.
D'autant qu'il y a un plan, que Boris Johnson a un plan, enfin une politique sociale qui est bien supérieure à celle qu'avaient les conservateurs jusqu'à maintenant, avec des plans d'aide aux régions, avec le soutien, on a vu la pêche, ce que ça a donné, avec des ambitions extrêmement fortes aussi sur les énergies vertes et tout ça, et ben, ça coûte de l'argent. Hein. Donc ça, c'est une option qui… Singapour sur Tamise, c'est pas une option pour la Grande-Bretagne. Bien, bah écoutez, merci à tous les trois, merci Jérôme, merci aussi à tous les internautes et nos excuses à tous ceux dont on n'a pas pu relayer les questions parce que je crois qu'il y en avait beaucoup sur ce sujet. On se donne rendez-vous demain à 18h, on parlera d'un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est celui de la culture à l'heure de la pandémie et du Covid-19. Donc on recevra Véronique Coapé, la rédactrice cinéma au Monde, Guillaume Fraissart, le chef du service culture pardon du Monde, ainsi que Michel Guérin, qui est rédacteur en chef au Monde. Donc on parlera de la culture, comment peut-elle s'en sortir après cette pandémie et après ce blackout dans lequel elle est encore plongée. Voilà, très bonne soirée à tout le monde et merci à tous et à toutes.